Alors cette semaine, on va unboxer une commande Almay Paris de nouveau. Oui, j'ai quand même recommandé malgré que j'ai des problèmes à chaque commande. On va voir si tout va bien avec celle-ci, on verra bien. Mais du coup, tu vois, elle est super petite parce qu'il n'y a que deux articles. Donc ça va aller vite pour une fois, ça va vraiment aller vite. Je te montre ce que j'ai commandé. J'ai pris un haut et un bas. Je m'appelle Letty Laure et ma spécialité, c'est la mode grande taille. Je fais un 48U, tu peux le voir. Super mince. Et ma passion, c'est le shopping, ouais. C'est plus le shopping que la mode. Du coup, j'adore acheter des trucs. J'achète des trucs toutes les semaines. Et je te montre ce que ça donne à chaque fois, mes commandes. Sur YouTube, je fais un unboxing. Donc vraiment, la commande est fermée, hein. Et je vais te montrer un petit peu directement. Ça va être mes premières impressions. Je décline ce contenu sur YouTube et Instagram avec des trucs différents, genre les références sont sur Instagram. Sur YouTube, sur TikTok, tu peux trouver des hauls rapides ou... plus des premières impressions, mais vraiment quand j'ai testé le vêtement, vraiment bien après la première impression. Comme ça, c'est parfois un autre avis, je t'avoue. Donc là, on va ouvrir la Almay. Alors, il y a une petite carte. Attends. Bon, dans le sachet, qu'est-ce qu'on a? Et cette vidéo ne sera pas coupée, je le redis à chaque fois. Oh, il y a une carte. Mais du coup, le but de ces vidéos sur YouTube, c'est de faire des vidéos qui sont quasi pas coupées. Parce que ça me saoule, voilà, j'ai pas envie de monter. Donc on a une petite carte, je me rappelle pas qu'on avait une petite carte la dernière fois. Merci d'avoir choisi Almay pour sublimer vos courbes exquises. Almay vous propose de véritables intemporels du vestiaire. Rendez-vous avec notre savoir-faire unique, une liberté de mouvement et des coupes pour toutes les morphologies. Votre silhouette est magnifiée, vous voilà pleine d'allure et de confiance. Ce collier a été préparé juste pour vous. Tous nos produits sont confectionnés avec une grande attention. J'espère que vous serez conquise. Alors, je fais une drôle de tête parce que faut savoir que... Je disais d'ailleurs, il y a mon ancien haul sur YouTube. Mon dernier haul Almay était bof parce que, figure-toi, que j'ai des problèmes à chaque fois chez Almay. Mais il n'y a pas de souci, tout se règle. Donc le service client est vraiment réactif et au top, mais il y a vraiment des soucis avec les vêtements, c'est un truc de fou. Donc je me méfie toujours. Ici j'ai passé une commande dans l'outlet, donc c'est la partie promo de chez Almay, parce que les vêtements Almay coûtent quand même assez cher. Donc là il y a un petit autocollant doré. Et j'ai profité, ah c'est beau, j'ai profité que ça soit en promo, parce que sinon c'est trop cher pour moi, clairement. Le haut est magnifique. Je sais pas si tu le vois comme ça. Donc c'est emballé dans du papier de soie. J'ai pris un pantalon kaki. Ça m'étonne que j'ai pris du kaki, mais soit. À chaque fois j'oublie ce que je commande, hein, les gars. Donc voilà. Donc il y a un haut. Ah, il est. Ça sent bon. Il est super. Celui-là il sent pas. Ah. Celui-là il sent bon. Celui-là il sent rien. Et un pantalon, c'est quoi le nom? Le Jeanne. J'ai pris un pantalon Jeanne. Qui sera à mon avis trop long. Ouais, je pense qu'il va être un peu long. Ce que je fais comme d'habitude, c'est que je vais tourner la caméra pour qu'on soit dans le bon sens, pour que je puisse te montrer exactement ce que ça donne. Je te dis, ça va aller vite, il n'y a que deux. Mais regarde. Bon, c'est pas grave, ça se coupe. Allez. Ça se coupe, hein, mais regarde, c'est la fin de la couture. En fait, ils n'ont pas coupé la fin, tu vois. Allez, ça, c'est mal pour définition. Ne serait-ce que de penser à le couper, franchement, ça veut tout dire, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas grave, hein, ça se coupe. Hein, ça se coupe un peu au-dessus, je peux le faire. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont peur de couper ce genre de truc, mais... En plus, c'est moche, regarde, ça se voit mort, en fait. Bon, soit, le pantalon, ça va. Je vais l'examiner quand même. Je pense que ça va. Des petits fils quand même. Hein. Ici, il y en a un. Ah, voilà, il est parti. Je regarde, hein, parce que maintenant, je me méfie. Hein, vu qu'il n'y a jamais rien qui va. Enfin, il y a deux, trois trucs qui vont, mais... Encore des petits fils ici. Je vais tirer dessus. Voilà, parti. Il a l'air de meilleure fabrique que l'autre, le Harry que j'avais commandé et qui lui... Enfin, il est... Je l'ai porté une fois, il est revenu troué de partout. Franchement, c'était la merde. Donc, je vais essayer. Je tourne la caméra et j'essaye. Alors, évidemment, j'ai mis les deux d'un coup. Alors, comme d'hab, j'ai pas le soutif adapté. J'ai une brassière en dessous, c'est pas un soutif. Mais comme ça, bah, voilà, tu vois ce que ça donne avec une brassière aussi. Je trouve que le haut, il taille un chouïa petit.
Mais ça va, il n'y a pas de souci, je me sens très bien dedans. J'essaie de bien mettre, c'est très très beau. Le haut est vraiment très très beau. Vraiment, j'essaie de te montrer de près. Tu vois ce plissé? Et la qualité et tout. Je regarde les plis parce que je me méfie maintenant. Qu'il n'y ait pas de trous. Non, ça va. Je m'attends à tout. Hein. Je m'attends à découvrir un défaut d'une minute à l'autre. Mais donc voilà, là ça va. Il n'y a pas de souci. Il est très très beau. Il est vraiment très très beau, très agréable. Je trouve que je taille un chouïa petit. C'est du 48. Je le sens, mais j'ai quand même de la poitrine. Donc c'est juste ça. Il est vraiment beau. Et alors le pantalon, je vais remonter ça. Donc il est un peu grand, je trouve, mais ça va. C'est pas choquant, je trouve, dis-moi, mais je trouve que c'est pas choquant. Il y a des poches. Ouais, non, c'est bien. C'est vraiment la bonne taille. C'est vraiment bien. Alors quand je dis qu'il est un peu grand, ça va. C'est la bonne taille. Mais voilà, donc il est clairement, il est trop long. Ça fait chier. Je vais devoir lui faire un ourlet. Kaki, je suis pas hyper fan en fait. Mais il n'y avait que celui-là. En Jeanne, je voulais tester celui-là. Je sais bien qu'il y avait deux Jeannes, mais... chiffonné. Il se chiffonne assez facilement, ça se voit. Mais ouais, c'est matière brillante aussi, c'est un satiné, hein, faut le savoir. Alors, il y a plein de gens qui se plaignent chez Almé que les couleurs sont pas identiques, ou du moins n'essayent pas d'être identiques avec ce qui monte sur les fiches produits. Le haut est magnifique. Et c'est vrai que les couleurs sont parfois très différentes, mais là... Je trouve que c'est trop beau. Le haut est vraiment trop trop beau. Et ce qui est bien, c'est qu'il est assez haut. Donc ouais, là il y a ma brassière, mais on s'en tape. Mais ça couvrirait le soutif et tout. Franchement, c'est vraiment très beau. Vraiment, vraiment très beau. Et donc, pour le pantalon, je dirais qu'il est 20 cm trop grand quand même. Mais ça va. Donc il est vraiment bien. Il est en promo. Ah, derrière, il tombe un peu bizarre, par contre. Ah, c'est parce qu'il y a l'étiquette. Mais non. Je sais pas, tu dis qu'il est trop grand ou pas? Non. Moi, je le sens bien. C'est pas une jambe aussi large que le Harry que j'avais commandé. Je préfère quand c'est des jambes super larges. Mais je trouve que ça va. Ça va. Donc, franchement, là, ça va. Pour une fois, ça a l'air d'aller, cette commande. Évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais porter ce pantalon... plusieurs fois et vraiment dans la vraie vie, et je te dirai jamais si jamais il y a un souci, mais franchement c'est très correct là, j'ai rien à dire, les vêtements sont nickel et c'est très rare chez Almé, mais franchement, surtout le haut franchement je vous le recommande parce qu'il est vraiment beau. Voilà, j'ai pas regardé la matière, mais c'est un peu chaud j'avoue, pourtant il fait moins de 20 degrés. J'ai bien examiné les finitions, mais ça me semble correct, à part ce petit truc qui n'est pas coupé, là. Non, tout me semble bien. Donc, on est sauf avec cette commande-ci qui me semble très bien. Donc, je suis très contente. Donc, voilà, ça a été rapide. Que deux vêtements. Franchement, le haut, je te le recommande. Il est vraiment, vraiment bien. Le bas est sympa. Je vais voir quand même s'il n'y a pas une autre couleur, mais franchement, il n'y a aucun souci. J'espère ne pas revenir vers toi en te disant qu'il y a eu un souci après que je l'ai porté. Cette fois, j'espère que non. Croisons les doigts. Mais en tout cas, franchement, cette fois-ci, c'est une bonne commande. Le haut est waouh. Le haut est magnifique. Plus je le vois, plus je me vois dans le miroir qui est juste derrière, plus je le trouve vraiment superbe. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Pour une fois, la commande Almé est réussie à 100%. N'hésite pas à me donner ton avis aussi en commentaire. Et on se retrouve pour un prochain haul sur YouTube.